Si quelqu'un prend une chose qui a été cuite avant Shabbat entièrement et qui est sèche, il la réchauffe pendant Shabbat, par exemple sur la plata, c'est permis. Parce que cette chose est cuite et le fait qu'elle soit refroidie n'enlève pas son statut de cuit. Donc on n'a pas fait une cuisson pendant Shabbat. Par contre, qu'est-ce qui se passe si c'est une chose qui est liquide? Le liquide, le fait d'être cuit, en fait, c'est qu'il soit chaud. Quand il se refroidit, alors quand on le réchauffe, est-ce qu'on fait une cuisson pendant Shabbat, oui ou non? C'est une marloque, une divergence d'opinion chez les grands poskim du Moyen-Âge. Certains disent que oui, certains disent que non. Donc du point de vue de la halakha, on ne peut pas prendre une chose qui est liquide, la mettre à réchauffer sur la plata, même si ça a déjà été cuit avant Shabbat, ça arrivait même à niveau d'ébullition avant Shabbat, vu que maintenant c'est froid, ou c'est moins de 39 degrés, c'est même moins de 80 degrés, d'accord, on ne peut pas le remettre à chauffer, parce que par cela on fait une cuisson. C'est quand même un doute de Horaïta très très grave, donc on ne prend aucun risque et c'est interdit. Qu'est-ce qui se passe si maintenant ce sont quelques petites gouttes qui ont déjà été cuites, qui sont refroidies, et ça nous est complètement égal qu'elles soient réchauffées ou pas? Par exemple, quelqu'un s'est fait un thé, d'accord, il a bu, il a fini son thé maintenant, il veut maintenant se resservir de l'eau chaude pendant Shabbat. Est-ce qu'il doit sécher complètement la tasse, ou il peut mettre le verre, il peut maintenant secouer un peu comme ça, que l'essentiel soit parti, il s'est encore un peu mouillé. Alors il n'y a aucun problème, il peut faire ainsi, et mettre maintenant sa tasse sous l'eau chaude, l'eau chaude qui vient du Kli Rishon, ça cuit normalement. Normalement ici, on devrait dire que les petites gouttes qui restent dans la tasse sont cuites, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que, un, c'est un doute. Deuxièmement, c'est un petit crèche de l'onichalé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, qu'est-ce que c'est exactement, mais ça descend à des rabananes. Il y a encore d'autres avis qui disent que lorsqu'on fait couler de l'eau sur quelque chose, alors il n'y a pas de cuisson. Il y a plusieurs avis qui font qu'en deux mots, on peut. Il ne faut pas qu'il reste un petit reste, ça ne va pas. Parce qu'on peut être intéressé à ce qu'il soit cuit. Il faut que vraiment, on secoue comme ça, et le petit reste qu'il y a maintenant, que c'est un peu mouillé, ça va. Idem, quelqu'un, il prend la casserole maintenant pour regarder si le ramin est bon. D'accord? Si le plat, il est bon. Alors, il n'y a aucun problème à cela. Le problème, c'est refermer. D'abord, je vous rappelle qu'il faut que la casserole soit entièrement cuite. Sinon, quand on referme, on active la cuisson et c'est complètement interdit. Mais d'habitude, il y a un peu de buée qui est sur le couvercle. Cette buée-là, elle se condense en eau. Alors, on verse l'eau qu'il y a et on ne remet pas besoin de sécher complètement le couvercle. C'est toujours bien de sécher complètement, mais ce n'est pas obligatoire. Et une fois que l'essentiel de l'eau, on l'a jeté, on peut reposer, bien que ce soit encore mouillé. Idem avec la matseket. Matseket, c'est la louche dont on a parlé hier. Une louche, maintenant, d'accord, je me sers. Maintenant, quand j'ai sorti la louche du Kli Rishon, elle est mouillée, j'ai servi, mais il reste encore des restes. Est-ce que je peux le remettre dans un Kli Rishon? Kli Rishon, ça cuit, c'est très très grave. Alors le mieux, c'est de sécher, mais si je secoue un peu la louche comme ça, qui n'est plus beaucoup de liquide, juste un tout petit peu, je peux le remettre dans le Kli Rishon. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.